Yo l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Mardi 24 janvier 2023, 20 l'État nan pays États-Unis pote plainte la justice contre gouvernement Joe Biden nan pour être li prend décision qui ka permettre 360 000 migrants 4 pays Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela entrer ak bon jan papier sous territoire américain. Gouvernement pays États-Unis a décidé prolonger pour 18 mois un parti mois février 2023 qui donc jisrive mois juillet 2024 programme et statut protection provisoire yo plis konnen sous nom TPS là pour moun qui t'est arrivé depuis l'année 2021 sur territoire américain. À cause d'un paquet de crimes qu'a fait dans le pays d'Haïti, plus quantité moun sans papier qu'a augmenté, le gouvernement zile Turken Kaikos qui pas trop loin, ville au Cap Haïtien, dit li suspend pour 6 mois, sorti 12 janvier 2023 pour arriver 12 juillet 2023, visa l'ité Kounbay natif natal haïtien pour entrer sous île Caraïbes. Depuis plusieurs dizaines d'années, le pays d'Haïti n'a pas jamais arrivé dans le niveau de violence avec l'intérêt de gang examio à Passimaye sur le territoire national. C'est Coutrel, chef bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, Hélène Meguer Lalim, dans une réunion Conseil sécurité des Nations Unies mardi 24 janvier 2023. Collé avec indignation, la caille en pile monde dans la société haïtienne après un examen kidnappé bien bonnet matin mardi 24 janvier 2023, professeur Pierre Buteau, la caille dans Thomasin, Piro Pétionville. Société haïtienne, l'histoire, géographie et géologie, mandé autorité au prend disposition nécessaire pour faire bandit examen lagué sans perdre de temps, sans condition, président l'un, professeur Pierre Buteau. Pour commencement l'année 2023, bandit examen, pas suspend kidnappé en pile monde sous territoire national là, d'après témoignage qui vient joindre Altea Presse à Altea Radio. Mardi 24 janvier 2023, bandit examen, Canaan yo assassiné pour piviti 5 monde, parmi yo, yon ancien footballeur Josué Jean-Pierre. Depuis lundi 23 janvier 2023, bandi exam d'appiyamp yon camion marchandise nan Matissan nan zone Sid Port-au-Prince-Lan. Plis passe 2000 moun parmi yo 162 femmes ak 22 tifi mouri assassiné nan l'année 2022 a, nan pays d'Haïti, sitou nan département l'Ouest la côté gang exam yo ap simen la terre red mare. C'est ça, Bureau Intégré Nations Unies nan pays d'Haïti yo plis konnen sou nom BINU reconnaître nan yon rapport li met de yo nan date 17 janvier 2023. Gen nécessité pour yo ta déploie ton en urgence yon force l'armée internationale spécialisée dans le pays d'Haïti, détant y a rétabli yon l'état qui chita sous la loi qui respecte droit fondamental moun d'après secrétaire général Nations Unies portugais Antonio Guterres. Pour l'année 2022, a gen 149 cas de jak parmi yo 131 tifi qui gen entre 3 pour arriver 17 l'année qui fête dans le département Grandance lan. C'est yon ramassé initiative département Grandance contre traite sous timoun à contre trafic moun yon plus connaît sous nom IDET. Dans le chapitre migration, mardi 24 janvier 2023, 20 l'État dans le pays États-Unis pour plainte la justice contre le gouvernement Joe Biden pour être li prend décision qui permet 360 000 migrants 4 pays Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela entrer avec bon jan papier sous territoire américain. D'après plusieurs journaux américains parmi Miami Amiral et la Société de presse, 20 l'État sayo déposé plainte lan devant le tribunal fédéral Texas qui accusé l'administration Biden nan comme quoi la permettre migrants sayo entrer sous territoire américain avec papier légal. Département sécurité intérieure dans pays États-Unis pour répondre demande commentaire sous procès d'après précision journal américain yo. N'a pas parlé pendant l'exercice qui termine 30 septembre année passée, il y a plus passé 2 038 000 arrestations qui fait sous frontière sud-là. D'après la société de presse, c'est la première fois qu'il compte plus passé 2 millions de migrants qui ont franchi route pour entrer dans le pays États-Unis. Gouvernement pays États-Unis a décidé de prolonger pour 18 mois à partir du mois février 2023, qui donc jisrive mois juillet 2024, programme et statut protection provisoire, yo plis konnen sous nom TPS là pour moun qui t'est arrivé depuis l'année 2021 sous territoire américain. Toujours dans le chapitre migration, à cause d'un paquet de crimes qu'a fait dans le pays d'Haïti, plus quantité de monde sans papier qu'a augmenté, le gouvernement zile Turken Kaikos lan, qui pas trop loin, ville au Cap Haïtien, dit les suspend pour 6 mois, sorti 12 janvier 2023 pour arriver 12 juillet 2023, visa l'ité Kounbay natif natal haïtien pour entrer sous île Caraïbes. Autorité Turken Kaikos dit qu'il prend décision ça à cause zaka criminel qu'a fait et puis quantité migrants natif natal haïtien qu'a entré sous territoire
Tuken Kaikos lan, ministre immigration territoire britannique lan, Arlington Musgrove, mette accent sur nécessité pour yo protéger population légale lan sous territoire pour yo capable expliquer raison qui fait yo prend disposition ça. Dans chapitre insécurité, depuis plusieurs dizaines l'année pays d'Haïti pas jamais rivé dans niveau violence ak latere gang examen yo ap simayé sous territoire national là, c'est Koutrel chef bureau intégré Nations Unies dans pays d'Haïti Hélène Miguel Lalime dans une réunion Conseil sécurité Nations Unies yo mardi 24 janvier 2023. Lalime fait konnen gagnen yon augmentation dans zak assassinat yo ak kidnapping yo pou yon 4e année yon après l'autre nan pays d'Haïti. Zak assassinat yo augmenté plus passé yon tiers depuis l'année 2021. Au total 2183 moun mouri assassiné pendant l'année 2022 a, ça qui touchait presque tout segment nan société a, y compris yon candidat à la présidence Eric Jean-Baptiste ak directeur Académie nationale police lan commissaire divisionnaire Arrington Rigaud qui mouri assassiné en babal bandi exam. Secrétaire général parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, businessman Eric Jean-Baptiste, te mouri assassiné pendant une attaque bandi exam te fait nan soirée vendredi 28 octobre 2022 nan la boule nan Pétionville. Commissaire divisionnaire Arrington Rigaud lui-même mouri assassiné nan mitan après-midi vendredi 25 novembre 2022 sur route Fréan, périphérie Pétionville dans l'est capitale là. Binu dit qu'il a enregistré plus passé 1400 cas kidnapping pendant l'année 2022, soit plus passé yon double l'année 2021, yon moyenne de cas chaque jour d'après Hélène Miguel Lalime. Pour faire face à la situation crise, Hélène Miguel Lalime propose trois paramètres pour prendre en considération déploiement yon force internationale spécialisée. Jean gouvernement de facto a demandé ça dans le mois octobre 2021, la poursuivre régime sanctions Nations Unies contre diverses personnalités qui ont implication dans les actes criminels pendant l'année 2022 ak signati accord tête ensemble national pour une transition tout moun la donne ak élection transparent Jean Yorile nan accord 21 décembre 2022 an. C'est celle autorité la justice yo qui gen droit décider fermer yon moun nan prison. C'est précision réseau national cap défend droit moun yo qui voye jeter accusation comme quoi c'est organisme droit moun nan qui t'a fait kembe nan prison Chelson Sanon pendant presque 10 ans nan yon dossier 6 pages réseau national cap défend droit moun yo vini ak an pile détail sous déclaration Chelson Sanon qui te dit yorele le tout André Bersanon te vin fait nan bureau nan date 12 mars 2013 nan déclaration Chelson Sanon tal signé devant yon notaire en après li te dit li ta recevoir l'ordre nan men ancien sénateur Joseph Lambert pour tal assassiner ancien député Levaillant Louis Jeune ak Soel Jacinthe. Dans le chapitre politique, tout pays qui est capable qui en dedans communauté l'État latino-américain à Caraïbes, CELAC, t'a dû regarder qui possibilité pour yota poté coller dans fait déploiement en force multinationale et spécialisée qui doit faire face carré ak violence gang examyo dans pays d'Haïti. C'est ça qui sorti dans une déclaration 7e oumblé CELAC là qui était faite dans Buenos Aires, capitale pays Argentine. Dans 7e oum blessé l'AXA, mardi 24 janvier 2023, côté le tal participé, premier ministre de facto Ariel Henry, te dit souhaité pays membre CELAC yo tavin pote kole nan force multinationale spécialisée qui ta doué déplotonné nan pays d'Haïti. Pays d'Haïti pas qu'attend encore pour yon force l'armée internationale tavin déplotonné contre gang criminel examio sous territoire national la, déclaration nan oum blessé lak la, mardi 24 janvier 2023, Antonio Rodrigue, représentant pays d'Haïti, devant Organisation Nations Unies. Sénat ministère commerce la, sous chan mas la, Port-au-Prince, au conseil transition Ariel Henry, fek met kampéa, pral gen bureau, c'est décision direction générale ministère sa, qui mande employé lio par vin travail, jeudi 26 ak vendredi 27 janvier 2023, pour faire aménagement nécessaire pour au conseil transition sa. Actualité internationale là à collaboratrice non Marie Farah Fortuny. Plusieurs pays exprimer inquiétude mercredi 25 janvier dans l'ONU concernant répression manifestation yo k'ap fèt Pérou. Côté ministre justice là bay assurance autorité yo agi en façon qui appropriée pour défendre démocratie hein. Devant Conseil droit moun nan CDH Genève, représentant plusieurs états déplorer recours excessif ak force puissance publique là pendant manifestation yo. Troubio te commencé 7 décembre après destitution et puis arrestation président gauche Pedro Castillo. Il était accusé comme quoi l'État a essayé un coup d'État l'élite écrasé parlement qui t'a pas préparé pour le chasser sous pouvoir.
Afrique Figi Centrale opposition tanzanienne nan Tundu Lissou rentre mercredi après le fin passé plus passé 5 ans en exil côté gouvernement te multiplié signe ouvert ces derniers mois sa yo. Parti lan Chadema te posté nan commencement après-midi yon photo Tundu Lissou kap salye secrétaire général parti nan aéroport capitale économique de Esalam. Yon foule côté te karima ki koule blé blanc rouge parti yon te acclamé d'après ça un journaliste AFP constaté. Et puis premier ministre néo-zélandais démissionnaire Jacinda Ardern officiellement remplacé mercredi 25 janvier avec investiture Chris Hipkins pendant une cérémonie Wellington. C'est plus gros privilège et plus gros responsabilité dans toute vie. C'est ça Chris Hipkins 44 ans déclaré côté il est motivé mettre au compte en face à défi qui présenté yo. Il était salué Chris Hipkins pour mandat de l'année en tant que ministre en charge bataille contre COVID-19 là dans un pays qui était fermé frontières pour gérer pandémie et puis te l'ouvrir seulement mois d'août 2022. Dans qu'il dit acteur américain Sean Penn a présenté un documentaire sur pays Ukraine. En côté Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Acteur et réalisateur américain Sean Penn a présenté en avant-première un documentaire sur l'invasion russe pays Ukraine. Côté a mis en scène président Volodymyr Zelensky pendant le festival film Berlin en mois qui vient. D'après sa organisateur, au fait qu'on est lundi. 73e Berlinale qui a fait à 16 rivi 26 février a mis des projecteurs sur la guerre pays Ukraine côté la Russie envahie depuis 24 février 2022. Superpuissance, yo présenté comme chronique yon projet réalité a forcé transformé en yon bagay qui pas ka fin contrôlé mais qui significatif en pile a film ukrainien qui pi important qu'a présenté dans festival là. Sinti Kiev pour réaliser un documentaire fin février 2022, les invasions récentes ont démarré. Sinti documentaire pour studio Vice et pour partenaire réalisateur américain Aaron Kaufman. Dans santé, autorité dans pays Corée du Nord mette villa en quarantaine à cause yon maladie respiratoire. En coûte Marie Farah Fortuné kapote plus de détails pour nous. Corée du Nord by Lord pour gen un confinement 5 jours dans capitale Pyongyang à cause yon maladie respiratoire d'après sa yon site spécialisé site coréen rapporté. Mesian semble prendre pour première fois dans ville depuis pays sa te déclaré victoire sous COVID-19 mois août 2022. Habitant Pyongyang yo recevoir l'ordre pour rester la caillou sorti mercredi 25 rivé dimanche 29 janvier et yo doit prendre température chaque jour d'après sa site spécialisé NK News qui trouve le Séoul qui t'a cité un document gouvernemental fait connait texte n'a pas mentionné c'est COVID-19 mais fait connait rimlan parmi maladie qui nouvelle qu'a propagé pour kounya dans capitale là. Pendant la cité plusieurs sous Pyongyang, NK News a fait connaître mardi 24 janvier, habitants Pigouville nord-coréenne assemblé a fait provision pour préparer à un éventuel confinement. Péninsule coréenne pour Kounia a fait face à sa météorologue décrit comme une vague froid sibérien côté température Pyongyang là chité jusqu'à moins 22 degrés Celsius. Chine qui s'est partenaire commercial clé met au voisine Corée du Nord a fait face à une vague infection après l'été mette fin à politique zéro Covid liant. Corée du Nord ferme frontière depuis commencement pandémie mais autorise quelques échanges avec Chine. Pyongyang a annoncé premier cas Covid li mois mai 2022 avant de proclamer victoire sur maladie à 3 mois après. Organisation mondiale santé a mis en doute depuis longtemps statistiques Pyongyang sous Covid là, mais toute déclaration dirigeant pays ça qui fait qu'on est épidémie sous contrôle. Corée du Nord gagne une pire mauvais système santé dans monde là d'après experts, avec l'hôpital qui pas bien équipé, pas grand pile unité soins intensifs et puis aucun traitement contre Covid 19. D'après quelques sources spécialisées, Pyongyang pas vacciné aucun dans 25 millions habitants lio. L'autre information fait qu'on est pays intéressé voir vaccin qui était sorti pays Chine. Président américain Joe Biden lancé mercredi un appel par Congrès américain pour lui demander compte ak géant dans technologie et puis pour légiférer pour capable renforcer contrôle y a exercé sous gouvernement sous gros entreprises dans secteur 1. Dans une tribune publiée sous site Wall Street Journal, chef d'État américain mandé élu dans deux bords pour yo uni yo pour yo capable renforcer législation dans question protection données personnelles ak utilisateur mineur yo même gens pour bataille contre discrimination exploitation sexuelle ak cyber
harcèlement. Président démocrate là dit li fier de ce que secteur technologie a été accompli, mais li gen gros tête chargé même Jacques en pile américain pour façon industrie ça collecter, partager puis exploiter données qui plus personnel qui renforcer extrémiste là et puis mettre timoun yo en danger. N'a pas parlé gen parti nan élu républicain yo qui opposé yo ak bataille ça contre pratique anti-corruption sous motif divers mesures la prend capable brider innovation. Dans chapitre insécurité, colère et indignation la caille en pile monde dans société Haïti après bandi exam kidnappé bien bonnet matin mardi 24 janvier 2023 professeur Pierre Buteau la caille dans Thomasin Pirou Pétionville. Kidnapper yo agressé plusieurs membres famille, yo volé plusieurs objets et puis yo poté à les machines ni d'après une source Alter Press té contacté. Nouveau cas kidnapping ça confirmé capacité nuisance groupe bandi exam cap opéré dans zone métropolitaine Port-au-Prince d'après société haïtienne l'histoire géographie et géologie pendant li di li gen gros lapin pour za kidnapping qui fait sous gros professeur historien et puis conférencier Pierre Buteau. Zak kidnapping ça arrivé dans un moment côté société haïtienne l'histoire géographie et géologie apparaît pour célébrer centenaire création 8 décembre 1923 8 décembre 2023. Société haïtienne l'histoire géographie et géologie dit l'inviter population dans un réveil patriotique pour capable freiner zak banditi sa yo k'ap fè nation fin dépéri. Société haïtienne l'histoire géographie et géologie mande autorité yo prendre disposition nécessaire pour faire bandi exam yo lagué sans perdre de temps sans condition président lan professeur Pierre Buteau. Toujours dans chapitre insécurité pour commencement l'année 2023 bandi exam pas suspendre kidnapper en pile moun sous territoire national là d'après témoignage qui vient joindre Alter Press ak Alter Radio. Mardi 24 janvier 2023, bandi exam Canaran yo assassiné pou pipiti 5 moun parmi yo yon ancien footballeur Josué Jean-Pierre. Depuis lundi 23 janvier 2023, bandi exam dapi an pion camion marchandise nan Matisan nan zone Sid Port-au-Prince lan. Bandi exam yo lagé 7 machin nan kite nan machine nan nan moment yo tap fè zak sa apre yo te fin dépouye yo. Pourtant, yo kembe camion an ak chauffeur ki te gen ak li yon gros somme l'ajan. Plus passé 2000 moun parmi yo 162 femmes ak 22 ti fi mouri assassiné nan l'année 2022 nan pays d'Haïti sitou nan département l'ouest la côté gang exam yo ap simè la terre Red Mare c'est sa bureau intégré Nations Unies nan pays d'Haïti yo plus konnen sou nom Binu rekonèt nan yon rapport li met deyò nan date 17 janvier 2023. Nan l'année 2022, quantité ka moun ki mouri assassiné yo augmenté plus passé 35.2% par rapport ak l'année 2021 côté te genyen 2183 moun ki victime parmi yo 163 femmes ak 22 ti fi contre 1615 victimes parmi yo 93 femmes ak 19 ti fi nan l'année 2021 d'après rapport bureau intégré Nations Unies dans pays d'Haïti en Binu qui sorti en date 17 janvier 2023. Quantité ka moun ki mouri assassiné dans département l'ouest la côté criminalité a ki li a gang exam yo augmenté dans 81.6% parmi victimes yo joine ancien candidat pour poste président Eric Jean-Baptiste même Jacques directeur Académie nationale police la Arrington Rigo. Gen nécessité pour yo ta déployer en urgence yon force l'armée internationale spécialisée dans pays d'Haïti de temps y a rétabli yon l'état qui chita sous la loi qui respecte droit fondamental moun d'après secrétaire général Nations Unies portugais Antonio Guterres. Toujours dans chapitre insécurité pour l'année 2022 a gen 149 cas déjac parmi yo 131 tifi qui gen entre 3 pour arriver 17 l'année qui fait dans département Grand-Est lan c'est yon ramasse initiative département Grand-Est contre traite sous timon ak contre trafic moun yo plus konnen sous nom IDET. Dans chapitre politique ak concours natif natal sud-américain plusieurs natif natal haïtien k'ap vive nan pays Argentine manifesté mardi 24 janvier 2023 nan Buenos Aires contre présence Ariel Henry dans 7e Mumble communauté latino-américain à Caraïbes, CELAC, en coûté un extrait dans l'intervention dans Micro Alter Radio. Et son match qui gagne plusieurs et l'autre pays qui peut-être dans même situation à Haïti par exemple et nous qu'apprend Pérou et c'est un grand match. Un grand match côté que et quelques haïtiens et nous là nous avec pancarte actuellement là n'a nous en route nous pour aller devant hôtel côté ancien premier ministre nous car il est comme ça et de facto et Ariel Henry et qui pral pas connaît vienne parler dans nos haïtiens et nous même dans Argentine et nous dit non
Ariel pas aucune légitimité pour venir parler dans nous ou bien dans nous haïtiens. Okay. Jusqu'à présent, je pense que nous avons à peu près en trentaine, mais nous pensons que l'autre monde, vu que quand pile en pile monde dans la manifestation, il y a des gens qui ont pris jusqu'à présent et demandé pour une direction pour eux, en façon pour eux rejoindre nous. Mais le fait que grand pile monde, donc nous pouvons réunir pour nous dire, pour nous avoir un effectif et définitif. Ok, revendication, c'est donc Ariel Henry, parler dans nous. Vu à tout ça, nous connaissons qui a passé dans le pays. Et policiers a mouru, journalistes a mouru, et Simon a mouru, et que Ariel Henry, que impérialiste, pardon, et mettez dans Figuinou, et qui va jamais faire rien pour améliorer la situation de la vie haïtienne. Donc, dans tout ça, nous disons non, et non, nous pas accepter la présence d'Ariel et Ariel Henry, pardon, pour venir parler pour Haïtien. Donc c'est comme ça la situation est. C'était un extrait dans l'intervention manifestant qui a manifesté dans Buenos Aires contre présence Ariel Henry dans 7e Omblé communauté latino-américaine Caraïbes CELAC. Dans le chapitre économie, ak concours natif natal sud-américain, plusieurs natifs natal haïtiens qui vivent dans le pays Argentine, manifestent mardi 24 janvier 2023 dans Buenos Aires contre présence Ariel Henry dans 7e Romblé communauté latino-américaine à Caraïbes CELAC. Malgré pays d'Haïti a fin départ fini en bas une crise sans pareil, côté gouvernement de facto arrêté manfou ben a fourni gel gardé sans le pas faire rien devant prix produit moun plus besoin yo cap monter grade division chaque jour. Fonds monétaire international FMI déclaré li débloqué lundi 23 janvier 2023 pour pays d'Haïti ak 0% intérêt yon aide urgence 105 millions dollars américains parce que autorité Haïti yo ta fait effort pour rétablir une situation normale dans économie sous territoire national là. Actualité internationale là ak collaboratrice non Marie Farah Fortuné. Après une autre série tirée à examen, Joe Biden mandé dans un communiqué pour le Congrès adopter bien vite un projet de loi qui parmi salement de wap fixé à 21 ans l'âge légal pour acheter un fusil d'assaut. Flo violence examen fait dans Amérique la mandé une action qui pi force déclaration ça président américain en fait après 7 moun perdi la vie lundi dans un fusillade Olfun Bay Californie ça qui c'est deuxième là dans 2 jours qui frappé communauté origine asiatique là dans état l'ouest ça. Et puis Organisation mondiale de la santé révélé et puis condamné mardi 24 janvier enlèvement lundi dans l'Est Mali un médecin qui travaille pour organisation OMS déploré enlèvement docteur Mahamadou Diawara côté monde yo pas identifié prenant machine 23 janvier 2023 dans ville Menaka d'après ça un communiqué bureau régional organisation onisienne pour l'Afrique là fait connait. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens, une organisation qui fait face à un déficit budgétaire chronique, lance mardi un appel de 1,6 milliard de dollars, soit 1,47 milliard d'euros pour 2023. Ce montant ça 848 millions de dollars appelé pour soutenir services basiques tant que besoin dans affaires santé, mais ou éducation, alors que 781,6 millions doivent permettre de financer opération urgence Gaza, Cisjordanie, Syrie mais tout Liban. Multiplication des désastres météorologiques qui poussent plusieurs millions de monde prend route yo c'est une cause principale trafic monde d'après un rapport onisien qui publié mardi 24 janvier côté le palais concernant risque guerre en Ukraine posé. Changement climatique a augmenté vulnérabilité trafic là d'après étude Office Nations Unies contre drogue et crime qui basé sur collecte données 141 pays sous période 2017-2020 et puis analyser 800 affaires judiciaires. Dans Kilti, acteur américain Sean Penn a présenté un documentaire sur le pays Ukraine. En écoute Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Acteur et réalisateur américain Sean Penn a présenté en avant-première un documentaire sur l'invasion russe pays Ukraine. Côté a mis en scène président Volodymyr Zelensky pendant le festival film Berlin en mois qui vient. D'après sa organisateur, au fait qu'on est lundi. 73e Berlinale qui a fait à 16 rivières 26 février a mis projecteur sur la guerre pays Ukraine côté la Russie envahie depuis 24 février 2022. Si puissance, il présenté comme chronique un projet réalité à forcer, transformé en un bagage qui pas ka fin contrôler mais qui significatif en pile a film ukrainien qui est important qu'a présenté dans festival là.
Sinti Kiev pour réaliser un documentaire fin février 2022, les invasions récentes et démarrées. Sintounen documentaire pour studio Vice et pour partenaire réalisateur américain Aaron Kaufman. Dans santé, d'après une étude, l'air qui pollue dans Kailan li favorise maladie asthme. En côté Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. D'après une étude, les polluants dans caillou favorisent asthme. L'étude met en évidence le rôle polluant dans affaire asthme, il existe dans l'air surtout dans caillou, substance qui à concentration qui élevée capable provoquer effet nocif pour santé monde donc favoriser asthme. D'après une étude, asthme c'est un polluant l'air dans caillou qui favorise le sarrelé formaldéhyde là. L'étude la mettait en évidence le rôle polluant dans asthme et puis suggérer une réduction à moitié actuelle valeur OMS recommandée. Les concentrations en haut capable provoquer effet nocif pour santé monde tant qu'on favoriser asthme. Ça a un rapport à dose là dire exposition mais tout confinement. Résultat jeune étude équipe physiochimie atmosphère centre géochimie CIFAS dans université Louis Pasteur avec département pneumologie l'hôpital université Strasbourg là sur plusieurs patients qui asthmatiques remettez en question valeur qui recommandé pour santé moun taux formaldéhyde là substance gazeuse qui présent dans l'air est reclassé dans l'année 2004 comme cancérigène pour moun. Formaldéhyde là c'est un composé organique volatile à faible concentration plusieurs produits tant que mousse isolante la colle vernis encre résine papier produits ménagers désodorisants pour dans caille quelques bois agglomérés à contreplaqué utilisé tout dans quelques cosmétiques à textile étude a été réalisée dans Barine sur une population asthmatique allergique qui parfumée et qui exposée professionnellement à formaldéhyde en comparaison avec une population témoin. Nous avons la principale information nous présenter pour vous. Mardi 24 janvier 2023, 20 l'État dans pays États-Unis porte plainte la justice contre le gouvernement Joe Biden pour être prendre décision qui permettre 360 000 migrants 4 pays Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela entrer à bon Jean papier sous territoire américain. Gouvernement pays États-Unis a décidé prolonger pour 18 mois un parti mois février 2023 qui donc jusqu'rivé mois juillet 2024 programme et statut protection provisoire yo plus connait sous nom TPS là pour moun qui t'est rivé depuis l'année 2021 sous territoire américain à cause un paquet de crime qu'a fait dans pays d'Haïti yo plus quantité moun sans papier qu'a augmenté yo gouvernement zile Turken Caicos yo qui pas trop loin ville au cap haïtien dit li suspend pour 6 mois sorti 12 janvier 2023 pour rivé 12 juillet 2023 visa li te kon bay natif natal haïtien yo pour entrer sous île Caraïbes sa. Depuis plusieurs dizaines d'années, pays d'Haïti pas jamais rivé nan niveau violence ak la terre gang exam yo a pas si maillé sous territoire national là c'est Koutrel chef bureau intégré Nations Unies nan pays d'Haïti Hélène Meguer Lalim nan yon réunion Conseil sécurité Nations Unies yo mardi 24 janvier 2023 c'est celle autorité la justice yo qui doit décider fermer yon moun nan prison c'est précision réseau national cap défend droit moun yo qui voyait jeter accusation comme quoi c'est organisé droit moun nan qui t'a fait kembe nan prison Charleson Sanon pendant presque 10 ans dans un dossier 6 pages réseau national cap défend droit moun yo vini ak un pile détail sous déclaration Charleson Sanon qui te dit yo relé le tout André Bert Sanon te vinn fait nan bureau nan date 12 mars 2013 dans déclaration Charleson Sanon ta signé devant yon notaire en après li te dit li ta recevoir l'ordre nan men ancien sénateur Joseph Lambert pour ta assassiner ancien député Lévin Louis Jeune ak Soel Jacinthe tout pays qui capable qui en dedans communauté l'état latino américain Caraïbio Selak ta doit garder qui possibilité pour yota poté coller nan fait déploter une force multinationale spécialisée qui doit faire face carré avec violence gang examio nan pays d'Haïti c'est ça qui sorti nan une déclaration 7e rumblé Selak là qui était faite nan Buenos Aires capitale pays Argentine les ak indignation la kay en pile moun nan société haïtien après bandi exam kidnappé bien bonnet matin mardi 24 janvier 2023 professeur Pierre Buteau la kay li nan Massin Piro Pétionville société haïtienne l'histoire géographie et géologie mandé autorité au prend disposition nécessaire pour faire bandi examio lagué sans perdre de temps sans condition président l'un professeur Pierre Buteau pour commencement l'année 2023 bandi exam pas suspend kidnappé en pile monde sous territoire national là d'après témoignage qui vient joindre Alter Presse à Alter Radio mardi 24 janvier 2023 bandi exam canario assassiné pour petit 5 monde parmi yo yon ancien footballeur Josué Jean-Pierre.
Depuis lundi 23 janvier 2023, bandi a exam d'apian pa yon camion marchandise nan Matisan nan zone Sid Port-au-Prince. Plis passe 2000 moun parmi 162 femmes ak 22 ti fi mouri assassiné nan l'année 2022 nan pays d'Haïti, sitou nan département l'Ouest la côté gang exam yo ap simè la terre red mare. C'est ça bureau intégré Nations Unies nan pays d'Haïti yo plis konnen sou nom Binu reconnaître nan yon rapport li mete yo nan date 17 janvier 2023. Gen nécessité pour yo ta déploie ton en urgence yon force l'armée internationale spécialisée dans pays d'Haïti détan y a rétabli yon l'état kishita sous la loi qui respecte droit fondamental moun d'après secrétaire général Nations Unies portugais Antonio Guterres. Pour l'année 2022 a gen 149 cas kadejak parmi yo 131 tifi qui gen entre 3 pour rive 17 l'année qui fête nan département Grand-Anse lan. C'est yon ramasse initiative département Grand-Anse kont traite sou ti moun ak kont trafik moun yo plis konnen sou nom IDET.